c'est un roman qui se passe au Japon, après le peintre des ventales et les haïkus du peintre des ventales. C'est un roman qui est aussi une biographie onirique, qui parle d'un poète peu connu ici, d'un haïkiste, qui s'appelle Taneda Santoka, et qui a une vie très, très pathétique, qui était très intéressante. C'était un moine vagabond, après avoir une enfance déchirée, qui a traversé le Japon, qui a vagabondé de temple en monastère, et qui, sur le bord du chemin, qui fait des haïkus, et qui allait vers la dépossession, vers le désassujettissement, vers ce qui peut être une idée de la vérité dans le bouddhisme zen. C'est parce que nous sommes de ce côté-là du bouddhisme zen. Mais j'ai écrit ce roman surtout par cette intériorisation que j'ai d'une culture et d'une civilisation nippone, qui est en moi, sans que je sache pourquoi. Quand j'ai écrit Le Pain d'Éventail, ce n'était pas après un voyage au Japon, c'était après un voyage en Haïti, où il y a eu un épouvantable séisme. Et revenu à Paris, eh bien, il y a eu ce séisme au Japon. Et il y a comme un effet étrange, comme ça, une double déflagration en moi. Et je me suis mis à écrire ce peintre d'éventail, comme si j'avais toujours vécu dans ce pays. Mal dans le prolongement, au lieu qu'il s'agisse du jardin clos, qui est à l'image de l'univers, bien sûr, et c'est les rangs, c'est les paysages, c'est vers le secret de ce que peut être la pensée, la perception du monde dans le bouddhisme zen.